Salut à toi, c'est Marteau Mega, dans une nouvelle vidéo. On va réagir à la bande-annonce d'Orange Sanguine. Pour le moment, on n'a réagi qu'à des teasers. Sauf que, tout récemment, enfin hier, ils ont sorti l'affiche. Donc, normalement, vous avez vu l'affiche en début de vidéo. Ils ont sorti l'affiche, ce qui fait que il y a la bande-annonce qui sort aujourd'hui. Elle sort normalement dans une minute. Voilà. Donc Orange Sanguine, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de vous faire un bref résumé avant que ça commence et puis je finirai un peu en retard, je pense, mais voilà. Orange Sanguine. Interdit aux moins de 12 ans, présenté à Cannes, il a gagné un prix d'un festival de Toulouse, je crois, le festival de Groland. Au même moment en France, un couple de retraités surendettés tente de remporter un concours de rock, un ministre est soupçonné de fraude fiscale, une jeune adolescente rencontre un détraqué sexuel, une nuit va commencer, les chiens sont lâchés. Il me donnait pas mal envie, les deux premières bandes annonces étaient intéressantes. Et en plus, c'est distribué par The Joker, ma société de production française préférée. On commence à réagir. Votre compte est à découvert, au-delà de son autorisation. Vos enfants, ils ne peuvent pas vous aider. Je m'en tue dans les appartements. Avec le sourire. Pour les enfants, il n'en est pas question, non. On avait quand même peut-être une solution. On a un concours de rock qu'on fait là. On a été qualifié déjà. D'accord. C'est très hypothétique malgré tout. Vous aviez des appréhensions par rapport à un rapport éventuel à... Je sais pas trop comment ça va se passer. Une première fois est toujours douloureuse, désagréable, pleine de malentendus, extrêmement décevante. Oui. Ok. Voilà. Le ministre. Comment il va? Combien à l'étranger? Une centaine de milliers d'euros. En tout cas, j'ai volé personne, j'ai arnaqué personne. Mais des ministres de l'économie. Allons, vous plein d'histoires. Monsieur le ministre, quel est votre plus gros défaut? De dire la vérité. C'est un pays d'assister, mais ça, c'est pas nous, on va pas régler le problème autour de cette table. Elle a le droit de danser le rock, la mongolienne. Non, mais je rêve. Il faut mettre 22 milliards sur la table. Alors on peut taper sur tout ce qui bouge, mais de la solidarité avant tout. On ne veut pas diviser les Français. On veut unis. Nous voulons tous un pays uni. Bon. Il faut jamais être politiquement correct. J'espère qu'il sera distribué dans mon cinéma parce que Clayzure, le dernier film de Joker, ça n'a pas été beaucoup distribué. Il n'a pas été beaucoup distribué, donc voilà. Mais bon, il était interdit aux moins de 16 aussi, donc c'est rare qu'il soit bien distribué. Mis à part les connus, Titan, Don't Breathe 2. Il est allé que dans 36 salles, Clayzure. De toute façon, je suis prêt, mes parents et moi, on est prêts à aller à Paris pour que je voie Orange Sanguine. Donc, parfait, j'irai le voir si tout va bien. Orange Sanguine, c'était un de mes top 20 des plus grosses attentes de l'année. Pas top 10, mais top 20. Donc voilà, je peux pas le louper. Surtout que la bande-annonce donne bien envie, genre ces petites histoires. Surtout les images de fin, là, qui ont l'air bien appétissantes. Ah, je sais pas. Ça peut être bien, mais il faut que ça soit un bon travail de scénario. Parce que s'il n'y a pas de scénario, tout s'écroule. Par rapport à d'autres films qui peuvent tenir. Ah, je sais pas, là j'ai un bon pressentiment, mais je sais pas, je me dis qu'il peut y avoir de gros défauts. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, réaction à la première bande-annonce d'Orange Sanguine. Le troisième si on compte les tasers. C'est la fin de cette vidéo, ciao!